Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr. Venez découvrir l'habitacle de la nouvelle Renault Mégane, la quatrième génération. Un habitacle qui est orienté autour de cet écran tactile vertical, qui est le même que dans le Renault Espace. On retrouvera le Multisense et toutes les configurations, tous les modes de conduite proposés par l'Espace. Donc une montée en gamme manifeste pour la Renault Mégane. Un travail au niveau de la qualité, au niveau de la finition, avec une organisation autour d'un tableau de bord entièrement numérique. Il n'y a que du numérique dans cette nouvelle Mégane, ce qui prouve qu'elle progresse, elle est beaucoup plus moderne. Également un travail au niveau des sièges, qui sont plus confortables, qui sont mieux dessinés, parce que le confort postural a été très travaillé, ça a été une volonté chez Renault. Et puis on retrouve aussi ici cette console centrale horizontale, en rupture avec le tableau de bord qui lui est vertical, alors que dans la concurrence, tout à l'horizontale, ça permet à la Mégane de se démarquer, avec un éclairage qui est très précis. On le voit ici avec des guides de lumière de couleur bleue. On pourra changer la couleur sur le modèle de série. Là, on est à bord d'une validation design, donc on ne se permettra pas de juger ni la qualité, ni les finitions. C'est pour pouvoir valider les formes et l'ambiance, ce qui est relativement satisfaisant pour nous. On trouve quelque chose de beaucoup plus fini, de beaucoup plus précis, et c'est plutôt bon signe. Cette nouvelle Mégane, elle est dévoilée au Salon de Francfort, et elle sera commercialisée début janvier 2016. À bientôt sur l'argus.fr.